Marie-Pierre Preud'homme, coach professionnel, aujourd'hui, les divergences entre contrat de travail et règlement de travail. Votre règlement de travail, normalement, il vous a été remis et il est affiché. Ça vaut toujours la peine de pouvoir le lire ou le relire et de venir voir ce qu'il y a aussi dans votre contrat de travail. Si vous remarquez qu'il y a une divergence entre les deux, qu'il y a quelque chose de différent qui est indiqué dans votre contrat, qui vient en opposition avec ce qui figure dans le règlement, eh bien, sachez que c'est ce qui figure dans votre contrat de travail qui prime. Ce règlement de travail, eh bien, il est là pour indiquer plutôt un mode de fonctionnement général de l'entreprise. Et s'il y a des spécificités, eh bien, elles seront reprises au niveau de votre contrat de travail. Dans le travail, il y a différentes obligations, il y a différents droits, et ces sources de droits et d'obligations, eh bien, on les retrouve aussi bien dans des lois que dans des conventions collectives de travail, dans le règlement de travail, dans le contrat de travail. Eh bien, il y a une norme. Ce qui prime avant tout, c'est la loi. Ensuite, il y a les conventions collectives de travail qui sont rédigées en respectant ce qui figure dans les lois. Et ainsi, il y a toute une hiérarchie de ces normes. Et dans cette hiérarchie de normes, eh bien, figure votre contrat de travail avant le règlement de travail. Et tout en bas, eh bien, il y a l'usage. L'usage est la norme qui est prise en considération en tout dernier lieu. Ce qui prime la loi, et tout en bas de la pyramide, il y a l'usage. Donc, divergence entre votre contrat et le règlement, fiez-vous à votre contrat de travail.